Salut les ghouls! Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pour vous montrer beaucoup, 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 beaucoup. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans ma maison Monster High. Et donc tout de suite, je vais vous la présenter. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce que j'ai fait cet après-midi. Donc en fait, vous voyez ce pack. Ce gros truc là. Et ben il y avait plein de bordel. Donc j'ai tout enlevé. Et j'ai tout nettoyé. Donc, si vous voulez savoir, donc ici il y a un truc pet shop que je joue plus, là aussi il y a un carrosse Barbie, une peluche que je sais pas où mettre, j'ai mis ici la piscine de Barbie avec un toboggan pet shop et le café pet shop que je ne joue plus avec, à part la piscine et le carrosse. Après ici c'est tout un paquet de, je veux dire, une boîte de Schleich, donc ce sont des animaux en plastique que je collectionne. Je veux dire, avant c'était ma passion, parce que je l'ai toujours, mais j'oublie toujours que, voilà, que je collectionne. Donc là, c'est les Barbie, les Bratz et les Winx. Voilà. Alors là-dedans, il y a tous les animaux Barbie, il y a trois peluches, il y a des petits trucs comme ça, là, et un truc Playmobil, le cirque Playmobil, et là, c'est que Playmobil. Voilà. Donc sinon, un Monster High. Donc voilà, donc là, c'est tout. La saleté que j'ai pas enlevée. Je veux dire, tous les trucs qu'il y avait dedans qui étaient, voilà, bon, merc. Je veux dire que je jette. Donc voilà, donc je l'ai jeté après. Donc on va commencer par la chambre de Laguna Blue. Donc dans la chambre de Laguna Blue, donc j'ai rajouté son portable que j'ai retrouvé, donc c'est moi qui l'ai fabriqué. Un petit château de sable. Là, j'ai un peu mieux rangé et j'ai retrouvé un coquillage doré. Voilà. Après, j'ai retrouvé le machin là. J'ai retrouvé ça là-dedans. Donc ça, je l'avais perdu. Ça faisait... Attendez. Ça fait un an que je le trouvais pas. Un an que je l'ai perdu. Et je viens de le retrouver. Donc j'étais super contente quand je l'ai trouvé. Parce que franchement, moi j'aime pas trop perdre les trucs que j'aime bien. Donc je l'ai retrouvé. Donc elle les a les deux et elle aussi. Donc je suis trop contente. J'ai rajouté ça, voilà. Alors après, excusez-moi si je dis après. Alors ici, bon, c'est plutôt dedans. Ben j'ai rajouté deux bracelets que j'ai retrouvé. Après, voyons voir. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà, donc j'ai retrouvé les lunettes de Abby. Bon, c'est pas vraiment les vraies lunettes, mais voilà. Alors ça, c'était un petit drapeau que j'avais fait quand j'ai eu Abby. Donc ça fait méga longtemps que je l'ai fait. Et en fait, comme je l'aime bien et que voilà, comme ça me fait vraiment... En fait, ça me fait penser à des souvenirs, tout ça, donc je le garde. Donc c'est un truc à Abby. Voilà. Après j'ai retrouvé le foulard de Thorley, bon, l'espèce de foulard. J'ai retrouvé les lunettes de Deuce. À Deuce, je lui ai trouvé une montre, une nouvelle montre. Après, ici, bah, y a plus le gros truc pour mettre les affaires des pom-pom monstres. Bon, ça sera un peu mélangé, mais c'est pas grave, ce sera ici leurs affaires. Le plus orange, c'est ici, donc ça fait un peu bizarre, oui. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, ici, en fait, ce sont des petits pots, mais que j'utilise comme chaise, donc je les utilise très souvent, donc j'en ai plein. Voilà, donc je les range ici. Donc ici, il y a une boîte, au cas où, que j'utilise. Alors ici, c'est une boîte avec plein de chouchous, élastiques, tout ça pour attacher les cheveux de mes Monster High. Alors ici, c'est presque toutes les chaussures des Monster High, Barbie, Bratz et Winx, et je sais plus trop quoi. Ici une petite gamelle, si j'en ai besoin, bah, je serai là, elle sera là. Un truc de Winx, comme si c'était un truc pour chanter, que je laisse ici. Alors ici il y a le truc pour brancher la lumière là, que je laisse ici. En fait ça normalement c'est un lit pour les animaux, mais j'ai pas trouvé encore. Une valise, une autre boîte, un lit roulant, mais je sais pas où je l'ai mis, où je vais le mettre, donc je l'ai mis ici. Alors ici c'est un gros sac avec plein de petits carnets, tout ça que j'ai fait pour mes Monster High, que je laisse ici.
Et une 6, toutes les brosses, presque toutes les brosses de mes Monster High, tout ça. Donc si je cherche une brosse, bah hop, voilà, bah je l'ai. Et là, un sac avec plusieurs petits sacs dedans. Voilà. Donc après, j'ai retrouvé une petite carte Smithissant. Alors, excusez-moi, mon Francky, elle est. Ma franquette. Bon, bref. Voilà, elle était par terre. Voilà. Après, bon, ça, il faut que je le recolle là. Ou je sais pas si je le recolle ou pas. Je sais pas du tout. 2013. Non, je pense pas. Non, c'est pas grave. Bon, je vais le mettre ici, voilà. Après, alors ici, maintenant, donc ici, il y a tous les tissus que je fais des vêtements, mes Monster High, tout ça, etc. Tous les tissus, donc, tissus. Là. Ici, il y a le gros sac là, le gros pot, où il y a tous les habits. Donc, il y a habits Monster High, Barbie, Winx, Bratz, et les ceintures. Donc, les habits, c'est. Bon, c'est sûr que par exemple ça va pas aller une Monster High, mais voilà, bon, je l'ai mis ici parce que là c'est tous les trucs à billes et foulard, etc. Même si les trucs ils vont pas trop bien au Monster High, mais voilà, bon, je les ai mis ici. Après, donc là-bas, quoi dire ici, donc maintenant il y a un nouveau machin, une caisse pour Claudine. Dans la chambre des garçons, bah, y a des nouveaux trucs de musique. Dans la chambre de Vénus, y a un petit panier pour mettre, pour mettre son portable. Elle a de nouveaux sacs. Et voilà. Et une petite peluche. Et en haut, je sais pas si vous voyez. Donc, je sais pas, il y a deux trucs de fleurs que j'ai mis ici. Donc voilà. Donc peut-être pour vous, c'est rien. Ah oui, j'allais oublier. Un nouveau coussin, un nouveau ordinateur pour ma pulipe, un téléphone pour ma pulipe, des nouveaux crayons pour ma pulipe, et je sais pas si vous voyez très bien, une petite figurine pour ma pulipe. Voilà. Donc voilà, peut-être pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi ça m'a pris plus de 1 heure de tout ranger. Mais en fait, peut-être pour vous c'est rien, parce qu'en même temps vous avez pas vu comment j'ai trié tout ça, donc c'était vraiment galère. Et enfin je suis trop contente parce que ça m'a occupée, et voilà, je me suis bien éclatée à tout ranger. Bon voilà les ghouls, gros bisous.